Bienvenue pour ce dernier plateau de la matinée sur la web TV de Ville Internet, toujours avec l'association des professionnels de la concertation et du débat public, Débalab. Je suis donc Pascal Nicole, le président de cette association. Merci à Ville Internet de nous accueillir ici à la pleine image. Nous sommes en compagnie de deux invités, Christophe Rouenet, le responsable des services aux collectivités locales, aux collectivités territoriales, les services numériques aux collectivités territoriales chez DocaPost, filiale de La Poste. Et puis nous sommes également avec le maire de Béthune, vice-président de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Olivier Gacquer. Merci d'être avec nous. Bienvenue messieurs. Alors Olivier Gacquer, vous êtes vice-président chargé des territoires intelligents dans une agglomération qui regroupe une centaine de communes. Ça n'a pas été un petit peu nouveau, j'allais dire, ça n'a pas un peu bousculé les esprits de parler de territoire intelligent dans un territoire qui est quand même un ancien bassin minier avec beaucoup de, j'imagine, de communes aussi rurales autour. Oui, vous avez raison de dire qu'en fait c'est une toute nouvelle approche qu'on essaie de mettre en œuvre sur nos territoires. Se sourçant sur l'expérimentation béthunoise, à Béthune nous avons depuis maintenant 18 mois lancé une expérimentation qui s'appelle Béthune Smart City. L'idée étant de se dire que nous vivons une réelle transition énergétique, mais aussi une transition numérique, digitale arrive, et tout cela transforme les comportements, les usages, l'ère du co arrive, coopération, collaboration, cooptation, bref, coproduction sur beaucoup de solutions d'ailleurs et de services aux usagers, et donc c'est une véritable transformation sociétale qui s'opère devant nous. Et pour les élus, ce qui est compliqué, c'est, comme pour d'autres, c'est d'essayer de bâtir un modèle qui n'existe pas, parce que c'est tout l'écosystème qui est en train de changer. Et donc, nous avons souhaité marquer à travers les délégations et les compétences qui sont les nôtres, marquer ce curseur-là pour indiquer que même si nous assurons le service quotidien, nous sommes aussi une intercommunauté de projets et que dans les projets, il faut intégrer cette notion-là, notamment celle du numérique et du service dématérialisé. Et alors, vous arrivez à être suivi par vos collègues, y compris ruraux, ou par les services aussi municipaux ? Ça se passe exactement. C'est comme ce qui est le plus difficile souvent quand on parle de territoire intelligent, on a l'impression que c'est très loin, c'est très compliqué et pourtant ça, il faut que ça devienne concret. Oui, puis quand on dit territoire intelligent, on pense qu'on ne l'était pas. Alors je crois qu'on l'était, d'ailleurs il faut remonter aux Romains qui avaient déjà inventé tous les réseaux, puisque d'ailleurs les territoires intelligents ont démarré par l'analyse des réseaux. Je crois que la force de cela, c'est la pédagogie. Et la pédagogie permet le mouvement, la mise en action, et la pédagogie est permise par quoi ? Elle est permise par la connaissance. Et aujourd'hui, grâce à la donnée numérique, grâce au big data, little data, bref, on l'appelle comme on veut, on se connaît mieux. Et donc, on peut voir comment moins gaspiller, mieux orienter, mieux optimiser nos ressources, et surtout mieux comprendre les comportements, les attentes de nos habitants. Et donc, je crois que ça a été important de démontrer cela auprès de mes collègues maires qui en ont conscience, parce qu'au jour le jour, leur objectif est de satisfaire la population. Et puis, finalement, l'autre enjeu, c'est de changer notre modèle de pensée. Vous avez parlé de la collectivité. Il a fallu rapidement apporter des preuves de tout cela. Quand je suis arrivé dans ma mairie en 2014, on raisonnait verticalement. Et donc, je me suis dit, si je veux amener un nouvel état d'esprit, il faut changer l'organisation, pas changer simplement les hommes et les femmes, parce que je pense qu'on peut tous évoluer dans la pensée, mais il faut changer de ligne, d'horizon. Et donc, on s'est mis en mode projet. Ce qu'il m'a fallu faire, finalement, avec mes équipes, c'est démonter l'organigramme et remonter un organigramme pour nous mettre en mode projet. Alors, ça a été très compliqué, parce qu'à la suite de cela, il a fallu qu'on rentre dans la politique des petits pas, celle du concret. Et le concret, ça a été que nous avons transformé le service public de Béthune en un service multicanal. C'est-à-dire que... Alors, avec des exemples, peut-être, pour nous éclairer un peu. Exactement. Nous avons mis en place, par exemple, un service de la gestion relations citoyennes. Globalement, avant 2014, on pouvait s'adresser à la mairie et à son maire par le téléphone, à peu près, l'écrit, à peu près, et puis la visite physique. Et aujourd'hui, on a rajouté, on a optimisé cela, on a mieux organisé cela pour le faire converger sur un outil unique qui nous permet de mesurer, de suivre et de mieux répondre aux habitants. Mais on a complètement dématérialisé et donc on a ouvert une porte sur un portail de services à distance, Internet. Et surtout, nous avons... permis finalement aux gens d'être autonomes vis-à-vis aussi de la mairie. Un exemple concret, sans faire de publicité, j'ai à peu près 1000 enfants qui mangent à la cantine chaque jour sur Béthune. Sur le mois de novembre, c'est le dernier chiffre que j'ai en tête, nous avons eu plus de 700 paiements en ligne sans en faire la promotion. Nous sommes en train de développer et déployer le Wi-Fi public gratuit dans la commune. Je n'ai pas encore eu le temps de communiquer. Sur les premières antennes déployées, il y a déjà eu 55 000 connexions en 3 mois.
Donc c'est vous dire que finalement, il y a une vraie attente. Et quand vous êtes dans une commune comme la mienne, où 39% de la population a moins de 30 ans, il n'y a même pas à convaincre les gens, finalement. Les citoyens sont bien plus en avance, finalement, que nous, parfois élus, même employés communaux. Ils s'emparent de services comme s'ils devaient être naturellement là et comme si vous n'aviez pas forcément cette volonté farouche. Mais en tout cas, bienvenue à Ville Internet. Il faut que toutes les communes de votre agglomération adhèrent ou que l'agglomération adhère en une fois. Elle adhère, vous êtes là, donc bravo, merci. On va passer la parole à Christophe Rouenet parce que lui, à l'échelon, cette fois-ci national, il réfléchit aux services numériques de demain pour les collectivités territoriales. Vous êtes un partenaire avec la Poste de Ville Internet maintenant de longue date. Quelles sont les nouveautés, quelles sont les innovations que vous mettez en avant dans l'espace exposition aujourd'hui en particulier ? Bonjour, alors il y a plusieurs innovations toujours pour la Poste. La Poste c'est un grand groupe, comme vous savez, qui est en mouvement. C'est un groupe qui s'est transformé aussi beaucoup et c'est toutes ces transformations internes que nous mettons maintenant à disposition pour accompagner la transition, notamment la transition numérique, des entreprises, mais aussi bien sûr des collectivités territoriales comme des grandes administrations, tout ça dans un programme national souhaité par le président Philippe Val sur le rôle que peut apporter la Poste dans la modernisation de l'action publique. La vérité, c'est que au contact des collectivités, nous apportons, comme expliquait monsieur le maire à l'instant, des plateformes multicanales et même maintenant intercommunales de gestion de la relation avec les usagers qui permettent pour un citoyen de bénéficier de son compte citoyen associé à son coffre-fort personnel pour y déposer ses documents. C'est le coffre Digipost de la Poste dont vous avez vu les campagnes récemment. Avec les journaux qui étaient tout jaunes, hein, c'est voilà, ça, c'était la campagne. Avec plusieurs millions d'utilisateurs désormais qui ont fait une référence vraiment sur ce compte, sur ce coffre-fort personnel. Et puis il y a la question de l'identité numérique et de la confiance numérique. La Poste, en fait, c'est un opérateur de service aujourd'hui, un opérateur de service humain et de proximité, vous le savez, avec les facteurs et avec la présence postale dans les agences postales communales, les bureaux de poste, les points poste chez les commerçants. Mais c'est aussi maintenant beaucoup de solutions numériques qui accompagnent notamment les collectivités et les citoyens pour faire les démarches auprès de leur administration communale ou intercommunale. Vous savez, quand on est à la place d'un citoyen, on voit bien la demande. Alors certains nous disent, monsieur le maire indiquait tout à l'heure, il y a les solutions verticales et qu'il convient aujourd'hui de remplacer par des solutions horizontales. C'est vraiment le sujet du jour. Et un citoyen, quand il a un portail de téléservice avec un certain nombre de démarches en ligne qu'il souhaite faire à l'heure qu'il arrange, ou depuis son smartphone, je rappelle que 85% des Français ont un smartphone aujourd'hui. Donc la question de l'usage numérique n'est plus en débat. La question, c'est comment on apporte plus d'usage numérique, quels que soient les terminaux que le citoyen peut utiliser. Alors, et la grande force aussi de la Poste par rapport à tous ceux qui utilisent plus ou moins bien ces technologies, ces outils, c'est que vous avez encore le réseau des facteurs. Là, ils sont tous équipés, eux aussi, de smartphones. Et vous allez donc au domicile de chacun. Et donc là aussi, comment ça évolue, les services qui sont, maintenant accompagnés par les facteurs dans... On pense en particulier aux zones rurales, aux zones enclavées. Il y a de nombreuses choses, vous avez raison, et c'est vrai que le smartphone a aussi facilité la vie du facteur, qui peut vous faire signer pour la réception d'un courrier recommandé, par exemple, ou d'un colis. Mais plus que ça, aujourd'hui, c'est les services qui sont proposés, y compris dans l'accompagnement des personnes âgées au domicile, pour éviter ces phénomènes de solitude qui sont bien connus, pas seulement d'ailleurs en zone rurale, mais aussi en ville, et donc la possibilité avec des services comme Veiller sur nos parents, que le facteur puisse, à l'occasion d'une ou plusieurs visites par semaine, donner des informations en retour avec les systèmes d'information disponibles aujourd'hui vers la famille ou vers les aidants familiaux ou médicaux, pourquoi pas. C'est aussi un certain nombre de services de proximité tels que des services... On appelle ça proxy vigie urbaine. C'est profitant du fait que le facteur est le seul personnage qui parcourt toutes les rues de toutes les communes tous les jours, eh bien pourquoi pas, avec son smartphone, signaler un tag sur un mur, un trou dans la route qui va arriver au service technique de la mairie qui pourra le prendre en charge. Évidemment, en informant en copie monsieur le maire qui pourra renseigner ses concitoyens si la question lui est posée. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et votre partenariat renforcé avec Ville Internet. Nous sommes donc au terme de cette première session de Web TV ce matin. Nous nous retrouvons à 14h précises
pour la reprise de ces plateaux ici à la Pleine Image pour la Journée nationale Ville Internet. À tout à l'heure.